dames en heren, bonjour. Goedemorgen iedereen. We zijn nu vrijdag 10 april. Uh, bedankt om nog nu aanwezig te zijn voor onze persbriefing. Ik zal direct het woord geven aan Steven van Gucht om meer informatie te geven over die pandemie. Goedemorgen iedereen. Bonjour tout le monde. Uh, we gaan de cijfers van vandaag presenteren. De afgelopen 24 uur zijn er 462 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is vergelijkbaar met gisteren. En 404 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten die nu in het ziekenhuis liggen op 5610. Dat is een lichte stijging van 20 in vergelijking met gisteren. Daarvan liggen er 1278 patiënten op intensieve zorgen. Dat is een daling van zeven patiënten. Op dit ogenblik zijn de intensieve zorgenbedden voor 58% bezet en zijn er nog meer dan 1000 bedden vrij. 993 patiënten worden beademd. Dat is een lichte stijging met één. Jammer genoeg werden er opnieuw heel wat overlijdens gerapporteerd de voorbije 24 uur, in totaal 325. Uh, daarvan kwamen er 114 uit de ziekenhuizen, bevestigde gevallen, en 211 uh, buiten het ziekenhuis, vooral woonzorgcentra, en dat zijn vermoedelijke gevallen. Bovenop de 325 overlijdens uh, melden we ook uh, 171 bijkomende overlijdens die plaatsvonden in de periode 18, tussen 18 en 31 maart in Vlaamse woonzorgcentra. Uh, dat brengt het totaal aantal gerapporteerde overlijdens vandaag op... Uh, moet ik even kijken. Of uh, in het totaal aantal overlijdens op 3019 in België. Van die 3019, dus het totaal aantal uh, overlijdens, zijn 57 mensen gestorven in het ziekenhuis. Dit zijn bevestigde overlijdens. En 41 procent elders, voornamelijk in woonzorgcentra... En opnieuw, hier gaat het om vermoedelijke overlijdens. De afgelopen 24 uur werden er 1.684 mensen positief getest op het coronavirus. Er werden in totaal een 3.700 tal testen uitgevoerd. Daarvan kwamen er 915 gevallen uit Vlaanderen, 570 uit Wallonië. 178 uit Brussel en 21 van onbekende origine. Op dit ogenblik werden reeds 5.806 stalen afgenomen in de woonzorgcentra, bijkomend, en die zijn momenteel in behandeling in het labo. Het totaal aantal bevestigde gevallen in België bedraagt nu 26.667. Dank u wel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous, nous faisons le point sur la situation euh, du 9 avril, en commençant par les hôpitaux. Hier, 462 personnes ont dû être admises à l'hôpital pour une infection à coronavirus. C'est un nombre qui est relativement stable par rapport à hier. 404 personnes ont pu quitter l'hôpital et au total, nous avons 5610 patients qui sont actuellement hospitalisés. C'est une augmentation de 20 par rapport à hier. En ce qui concerne les soins intensifs, 1278 personnes sont actuellement dans les services de soins intensifs. C'est une diminution de 7 personnes par rapport à hier. Et aujourd'hui, nous sommes à 58% d'occupation des lits de soins intensifs. En ce qui concerne les décès, donc pour la journée pendant la journée d'hier, nous avons été informés d'un nombre important de décès, 325 décès. Parmi ceux-ci, 171 sont des décès qui ont eu lieu dans, par, dans les semaines précédentes, principalement dans les maisons de repos en Flandre et 114 décès ont eu lieu à l'hôpital. Donc parmi ces décès, 150 ont eu lieu dans les 24 dernières heures en Flandre, 117 en Wallonie, et 58 à Bruxelles. Au total, cela porte à 3019 le nombre de personnes décédées dans le contexte de cette épidémie. Parmi ces 3019 personnes, 57% sont décédés à l'hôpital. Et donc ce sont pour la toute grande majorité des cas confirmés par un test diagnostique. 40% des décès que nous notifions euh, sont, euh, ont eu lieu dans des maisons de repos et de soins. Et comme vous le savez, ce sont le plus, la plupart du temps des personnes qui n'ont pas bénéficié d'un test diagnostique. Mais dans, vu le contexte épidémique, euh, ce sont ce qu'on appelle en termes épidémiologiques des, des décès suspects liés au coronavirus. 1% des décès ont eu lieu à domicile. Et pour 2%, euh, nous n'avons pas encore l'information. Pour la journée d'hier, le réseau de laboratoires de biologie clinique a rapporté 3679 tests et 1689 personnes ont été diagnostiquées positives. Parmi celles-ci, 915 étaient en Flandre, 570 en Wallonie, 178 à Bruxelles. Cela porte à 26667 le nombre de cas positif confirmé par un test de laboratoire en Belgique depuis le début de l'épidémie. En ce qui concerne la, le testing, l'augmentation de la capacité à faire des tests pour les maisons de repos, à ce jour nous avons plus de 5406 tests qui sont en cours, donc qui ont été prescrits, qui sont soit en cours vers les laboratoires ou dont les tests sont en train d'être réalis, réalisés. Ces chiffres seront comptabilisés à partir de demain. Voilà. Goedemorgen. In deze periode en ook de komende weken vinden er een aantal religieuze feesten plaats. Voor vele mensen onder ons is dit een zeer bijzondere en belangrijke periode van het jaar. Deze feesten gaan vaak ook gepaard met familietradities en bijeenkomsten. De huidige coronamaatregelen hebben ook een invloed op deze feestelijkheden en tradities. De beleving zal jammer genoeg dit jaar anders verlopen. We roepen iedereen op om begrip te hebben voor deze uitzonderlijke omstandigheden en de maatregelen te blijven respecteren tijdens deze bijzondere periode van het jaar. We begrijpen dat dit niet aangenaam is, maar deze maatregelen zijn er om onze gezondheid te beschermen. De plaatsen van erediensten blijven open. Mensen kunnen nog steeds deze plaatsen bezoeken. Uiteraard moet de fysieke afstand worden gerespecteerd. De beheerders van deze gebouwen nemen hiervoor de nodige maatregelen. Alle eerdiensten zijn echter verboden, met uitzondering van religieuze begrafenissen met maximaal 15 personen en huwelijken in aanwezigheid van het koppel en de getuigen. Vele religieuze gemeenschappen voorzien deze dagen een alternatieve eerdienst via radio, televisie of internet. Er kan in gezinsverband gevierd worden met de personen die onder hetzelfde dak wonen. De feestelijkheden moeten wel plaatsvinden in de eigen woning. Alle andere privé- en publieke bijeenkomsten zijn niet mogelijk. Een familiebezoek, bijvoorbeeld aan oma of opa, of een bezoekje aan een vriend die niet onder hetzelfde dak woont, zijn nu jammer genoeg niet mogelijk. Deze periode is ook vaak een drukke periode voor de voedingswinkels. Ook hier gelden nog steeds een aantal maatregelen. De eigenaar van de winkel moet erop toezien dat de fysieke afstand kan, kan gerespecteerd worden. De voedingswinkels behouden hun gewone openingsuren en dagen, zoals deze van toepassing waren, voor de maatregelen. En tot slot raden we de handelaars aan om te anticiperen op piekmomenten, door bijvoorbeeld een afhaalsysteem te organiseren. De afgelopen weken hebben we met z'n allen de maatregelen goed nageleefd. Laat al deze inspanningen niet voor niets zijn. We mogen het virus geen vrij spel geven. Blijf de maatregelen dan ook in deze feestelijke periode naleven. Blijf dus volhouden, blijf solidair, blijf in je kot, blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar. Dank u wel. Bonjour à tous. Uh, Aujourd'hui, dans cette periode en dans les prochaines semaines, différentes fêtes religieuses vont avoir lieu. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une période très importante et très particulière de cette année. Ces fêtes sont généralement couplées à des traditions familiales, à des rassemblements, et on pense tous bien sûr à la chasse aux œufs en chocolat. Les mesures actuelles qui sont prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ont bien sûr une influence sur ces festivités, sur ces traditions familiales. Ces événements ne vont pas pouvoir se dérouler de la même façon, ils vont devoir être organisés différemment, de manière plus créative peut-être. Et nous vous invitons vraiment chacun aujourd'hui à avoir cette compréhension nécessaire pour respecter ces mesures que nous avons édictées depuis plusieurs jours, même durant cette période un peu particulière. Nous savons tous que ces mesures sont là pour nous protéger les uns les autres. Nous devons continuer à le faire ensemble et tenir bon. Les différents lieux de culte restent bien sûr ouverts. Les personnes qui souhaitent se rendre dans ces lieux de culte peuvent le faire. Bien sûr, en respectant ces distances physiques que nous nous sommes mises pour notre santé. Les responsables des différents bâtiments de lieux de culte doivent veiller au respect de ces consignes. Tous les autres services religieux sont interdits, à l'exception malheureusement des enterrements, mais aussi des mariages. Et nous voyons aussi que plusieurs euh, d'entre vous, de nombreuses communautés religieuses, ont prévu dans les prochains jours un service religieux, on va dire alternatif, via des radios, des télévisions, internet. Merci à eux et bravo aussi pour cette créativité. Ces festivités familiales, vous pouvez les poursuivre dans le cadre de votre noyau familial avec les personnes qui vivent sous le même toit que vous. Ces fêtes peuvent avoir lieu, bien entendu, dans le cadre de votre logement dans lequel vous êtes pour l'instant. Tous les autres rassemblements, publics ou privés, ne sont malheureusement pas autorisés. Ce n'est pas le moment d'aller visiter votre famille, ni d'aller voir un ami qui ne vit pas sous le même toit que vous. Cette période, c'est aussi une période assez dure et importante pour tous les magasins d'alimentation. Et pour eux aussi, certaines mesures spécifiques sont d'application. Les propriétaires de ces magasins doivent évidemment prévoir euh, cette distance physique, organiser leur magasins pour pouvoir respecter cette distance physique entre chacun. Les magasins d'alimentation maintiennent leur heure d'ouverture, leur jour d'ouverture, comme d'habitude, comme c'était le cas avant les mesures renforcées. Et ensuite, on aimerait inviter chaque commerçant à avoir une attention particulière afin d'anticiper le plus possible les moments de pic, les moments où il y a énormément de personnes qui se rendent dans leurs magasins, pour éviter en fait énormément de rassemblements, notamment devant les magasins, par exemple en organisant un système de retrait plus facile des achats. Ces derniers jours, ces dernières semaines, nous avons respecté ces mesures. Continuons nos efforts, ne donnons pas carte blanche au virus pour reprendre ses forces. Continuons, même pendant cette période de fête, à respecter ces consignes tout en célébrant ces traditions familiales ensemble. Tenons bon, soyons solidaires, restez chez vous et surtout prenez soin les uns des autres. Merci. Nous allons passer directement aux questions reçues aujourd'hui. Apparemment, certaines personnes défavorisées, atteintes de maladies mentales ou d'autisme, se sont vues refuser l'accès à l'hôpital. Pouvez-vous confirmer cela Quel est votre avis sur la question Donc ici, euh, je ne pense pas que c'est l'endroit de commenter sur, des, sur des, des situations individuelles, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que la décision d'hospitaliser un, un patient, quel qu'il soit, se fait évidemment sur des critères cliniques, objectifs, et parfois dans, aussi et souvent euh, avec d'autres critères, qui peuvent être des critères sociaux, psychologiques, puisque la santé, la nécessité d'avoir recours à des soins, notamment hospitaliers, mais prend en compte un certain nombre d'éléments. Et donc, il n'y a aucune euh, raison de penser que des personnes se verraient refuser une hospitalisation uniquement sur base euh, d'autres problèmes qu'ils pourraient avoir. Euh, et donc, euh, la décision d'hospitalisation est souvent une décision complexe qui se fait par, par des, des médecins et, et la famille, le patient. Kwetsbare personen, zoals mensen met een mentale aandoening of autisme, zouden blijkbaar niet naar het ziekenhuis mogen komen. Kan u dat bevestigen en wat is uw advies hierover? Wel, we kunnen geen commentaar geven op specifieke gevallen, maar we kunnen wel de algemene principes schetsen. En die zijn heel duidelijk: mensen die ernstig ziek zijn en die nood hebben aan hospitalisatie. Die nood hebben aan intensieve zorgen, die gaan die ook krijgen, zonder uitzondering. Dat is een belangrijk principe. Er is plaats in onze hospitalen, er is capaciteit en daar zijn geen enkele restricties op. En dit is een overweging van de artsen uh, samen met de patiënt en uh, ongeacht de achtergrond uh, geldt dit principe uh, altijd. Woonzorgcentra krijgen blijkbaar de raad om hun zieken bij zich te houden. Ze zijn daar echter vaak niet voor uitgerust. Wat denkt u daarover? Um, wel, ik ga opnieuw hetzelfde antwoord geven. Um, wanneer mensen, ongeacht hun leeftijd, nood hebben aan hospitalisatie en gebaat zijn uh, bij een intensieve verzorging, dan zal dat ook gebeuren. Uh, de reden waarom sommige mensen toch in het woonzorgcentrum blijven, dat is in samenspraak met de behandelende arts, met de patiënt zelf, om te zien of dat het nog zin of, on, of geen zin heeft om iemand nog te laten hospitaliseren in zijn laatste dagen. Maar als dat nodig is en als dat nuttig is, dan zal dat gebeuren. Il semblerait qu'on conseille aux maisons de repos de garder leurs malade. mais ceux-ci n'ont souvent pas les moyens nécessaires en suffisance. Pouvez-vous commenter Aujourd'hui, il y a de la place dans les hôpitaux pour accueillir les personnes qui nécessitent une hospitalisation. On sait également que dans plusieurs maisons de repos, la situation est rendue difficile, non seulement parce que plusieurs personnes sont malades, euh, mais aussi parce que euh, souvent du personnel euh, n'est plus disponible. Et donc euh, dans certains cas, euh, on cherche des solutions qui permettent de soulager cet environnement des maisons de repos sur base euh, en, en, en cherchant du personnel supplémentaire, en essayant d'adapter, en essayant aussi de trouver des solutions euh, au cas par cas. Euh, mais en aucun cas, quel que soit l'âge des personnes, euh, une, hospitalisation, une hospitalisation doit être refusée. Par contre, je pense que c'est important de, de rappeler que cette décision d'hospitaliser, et notamment de rentrer au soin intensif, se fait euh, en discussion avec le patient, sa famille, le médecin traitant, et que dans un certain nombre de, de circonstances, on, on peut comprendre que le choix euh, soit de, de ne pas hospitaliser. Euh, parce que c'est un choix qui, qui est fait par le, le patient, sa famille, le, le médecin traitant, comme étant le meilleur choix pour une personne en particulier. Mais sous aucun prétexte, euh, des personnes se verraient refuser une hospitalisation. La France va mettre sur pied une application pour prévenir les personnes à risque lorsqu'elles entrent en contact avec quelqu'un qui a été diagnostiqué. Envisage-t-on un tel traçage en Belgique dans le cadre du déconfinement donc, le déconfinement est, comme vous pouvez l'imaginer, un, un processus complexe qui va nécessiter euh, de maintenir, d'accentuer certains des outils que nous avons déjà et euh, d'en mettre d'autres à disposition. Le, le principe de. Euh, Tracer, de contacter les personnes qui ont été en contact avec un cas, une personne positive et donc qui, par définition, sont plus à risque d'avoir été infectées, est un des éléments qui sera nécessaire dans le cadre de, cette, de ce déconfinement. Et donc, depuis déjà de nombreuses semaines, de nombreux mois, euh, d'un point de vue technologique, euh, nous investiguons toute une série de, de pistes et nous sommes déjà fort avancés, euh, comme dans d'autres pays d'ailleurs pour proposer des solutions. Mais ces, ces technologies devront, par définition, s'accompagner d'un contexte, de tout un contexte épidémiologique, social, et, et toute l'infrastructure nécessaire pour pouvoir le faire. Et donc, ce, le jour où ce sera nécessaire, en complémentarité avec d'autres approches, oui, ce sera probablement un des outils que nous aurons à disposition. Frankrijk gaat een app gebruiken om personen uit de risicogroep te verwittigen als ze in contact komen met iemand die covid-positief is. Gaat België ook zo'n tracering invoeren tijdens de afbouw van de maatregelen? Wel, het klopt dat dat een piste is die we ernstig overwegen. Er is een werkgroep die hiermee bezig is om na te kijken in hoeverre een dergelijke app kan gebruikt worden om contacten op te sporen, om mensen te verwittigen dat ze mogelijk contact hebben gehad met een bevestigd geval en instructies te geven ook wat men dan moet doen. Dit is volop in onderzoek. Uh, en wij denken dat dat mogelijk een nuttig hulpmiddel kan zijn wanneer we naar een volgende fase gaan. Hè, na de social distancing die we nu kennen, en we gaan een aantal maatregelen wat terugschroeven om dat meer en meer te gaan inzetten. Om zodanig ja, verdere virusverspreiding te kunnen uh, indijken. Dus dit wordt heel ernstig overwogen. Hoe kan ik mij opgeven als vrijwilliger om te helpen in een wo woonzorgcentrum? Dat in een aantal woonzorgcentra de situatie inderdaad heel zwaar is, momenteel. Vrijwilligers kunnen dan inderdaad een positieve bijdrage leveren om de situatie onder controle te houden. De verschillende regio's, Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben dan ook een soort van platform, online platform opgezet waarin je kan registreren als vrijwilliger. Er is vooral een oproep naar mensen met een medische achtergrond. Uh, maar ook mensen zonder medische achtergrond kunnen eventueel wel bijdragen. Denk maar aan uh, meer logistieke taken opnemen. En dat kan voornamelijk de woon- en zorgcentra ontlasten in deze zwaar, heel zware periode. Dus indien je inderdaad wilt opgeven en solidair wilt zijn, kan je je opgeven in die verschillende uh, platformen. Uh, en de regio's zullen dan in functie van de noden u persoonlijk contacteren en een aanbod doen om u in te zetten. Uh, uiteraard uh, in uw regio. Voornamelijk in Donc, vous plateformes. Comment puis-je me porter volontaire pour aider dans une maison de repos Vu la situation aujourd'hui, qui est, on le sait, particulièrement difficile dans certains maisons de repos, euh, les trois régions ont chacune ouvert en fait des plateformes qui. Euh, Permettent à chacun de s'inscrire comme volontaire. Si vous avez en particulier euh, des connaissances ou une formation médicale, mais pas seulement, si vous avez aussi d'autres compétences, plus logistiques par exemple, les trois régions ont ouvert une plateforme où vous devez remplir un formulaire, indiquer vos disponibilités et vous serez contacté pour ensuite pouvoir vous proposer d'aller aider dans l'une ou l'autre maison de repos qui en a le plus besoin. Ce qui est euh, important, selon nous, c'est cet élan de solidarité doit maintenant se concrétiser. On le voit depuis plusieurs semaines ici. Pour ceux qui ont la possibilité, qui ont le temps, qui ont les connaissances, n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à soulager le personnel soignant, à participer à cet élan de solidarité. Rendez-vous sur ces plateformes, que ce soit de des d'Irisker, ou de la VIC, pour pouvoir vous inscrire et vous serez contacté pour pouvoir aider concrètement. Merci. Merci à chacun d'être là aujourd'hui. Merci de rester informé. Nous serons encore là demain à 11h. Blève de maatregelen ook deze jours periode de la période n'a solidaire. Merci.